Je pense que c'est l'un de nos meilleurs albums. Il montre toutes les particularités du groupe. On a choisi de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est sympa de voir les gens accrochés à leurs fenêtres et qui nous regardent de leur appartement. Je ne suis jamais venu ici et j'étais très intéressé de voir à quoi cela ressemblait. Vous arrêtez pas de faire des tubes, mais nous en France, on a les nôtres. On devrait les prendre avec nous tous les deux. Concert, match, l'ambiance sur la Grand Place est hallucinante. La production du groupe retransmet en direct le but de Thierry Henry. Le public est aux anges. De son appartement, c'est pas mal aussi. Avec un caméscope, on zappe de l'un à l'autre. On avait juste le foot là. Et après, hop, on zappait sur le concert. Donc en fait, on a les deux sur la même télé, quoi. Ça, c'est génial. Et un concert, mais d'une beauté, mais exceptionnel. Il y a des soirs comme ça où l'ambiance est irréelle. News a déjà prévu de revenir dans le Nord. Concert annoncé au Zénith de Lille le 18 décembre prochain.